Mes chers amis, chers abonnés de cette chaîne, bonsoir. Alors je sais c'est un sacrilège de faire une vidéo à la verticale, mais le temps me manque. Le titre de cette vidéo c'est Merci. Je n'ai pas eu l'occasion de vous remercier pour votre présence massive lors du dernier live politique que j'ai fait à propos de la jeune fille Lola qui a été tuée dans d'atroces conditions. On va pas revenir là-dessus, la vidéo existe, elle a plus de 60 000 vues. Je vous remercie, elle a désormais un sommaire, ça veut dire que vous pouvez la diffuser. Parce que je pense qu'elle est vraiment de qualité, au-delà de l'émotion qu'il peut y avoir à la fin. Vous pouvez retrouver les parties qui vous semblent les plus intéressantes et les partager à vos amis en donnant le minutage, puisqu'il y a le sommaire en description de la vidéo et en commentaire, épinglé. Mais bah, encore une fois, je vous remercie, ça me fait plaisir, ça m'encourage. C'était vraiment un super moment, je crois, d'émotion collective, voilà, de partage aussi. Et également, j'avais déjà fait une vidéo pour le dire, mais puisque c'est imminent, c'est demain, je le répète, ceux qui sont en région, qui habitent en région parisienne ou qui ne sont pas loin ou qui veulent faire le déplacement, je serai demain à la librairie Vincent pour tous vous rencontrer de 13 à 17 h. C'est pas en retard cette fois, voilà, c'est le genre de rendez-vous que je suis à l'heure. Donc, vous pouvez me retrouver à la librairie Vincent, qui est dans le 7e arrondissement. Vous avez tous les détails en description de la vidéo. Vous trouverez facilement l'adresse sur internet, librairie Vincent Paris. Merci au libraire d'ailleurs qui me permet de faire cette dédicace. Je vais essentiellement dédicacer mon dernier livre en date qui est un essai politique 2027, mais j'aurai également plusieurs exemplaires des autres livres que nous publions aux éditions Albaléon, Néderlande, mon premier livre, Désolé Jean-Pierre, Le Réveil des Européens, Été, d'Izara et quelques autres. Voilà, donc si vous voulez soit me rencontrer ou vous procurer un livre et avoir une petite signature, n'hésitez pas à passer. Il est rare que je vienne en France et plus rare encore qu'on m'offre la possibilité eh bien, de présenter comme ça mon travail. Donc je remercie vraiment le libraire qui me donne cette possibilité. Bah, vous pouvez le remercier en venant et jetant un œil à la librairie pour voir s'il n'y a pas d'autres livres qui vous plaisent en dehors des miens, bien sûr. Et encore une fois, bah, je vous dis, c'est l'occasion de me voir à Paris. Alors il y a pas mal de gens qui disent, t'es à Paris, bah, viens, on va boire un verre. Franchement, je n'ai pas le temps. Donc, si vous voulez me voir, le mieux c'est de venir demain parce que trop de gens différents me proposent de boire un coup. C'est sympa et il y a 4 ou 5 ans, j'aurais pu me le permettre. Aujourd'hui, à la fois pour des raisons de sécurité et par manque de temps, ben, je ne peux pas accepter ces demandes. J'en profite pour vous dire que voilà, demain, je vais venir, mais j'ai prévu un service de sécurité. C'est normal. Je ne suis plus à l'arrache comme il y a 2-3 ans. Depuis mon agression en 2019 à Marseille, je fais attention. Pas seulement à ma sécurité, mais également à la vôtre. Donc normalement, tout devrait bien se passer. Je vous attends nombreux à Librairie Vincent demain, de 13 à 17 h. C'est tout les amis. Alors pendant quelques jours, quelques semaines, je serai un peu moins productif sur cette chaîne parce que je suis en période de travail. Voilà, j'enregistre des émissions à Paris, comme d'habitude, pour Vive l'Europe. Et aussi parce que bah, je vois des proches. J'en profite, voilà, je profite de mon passage en France pour rencontrer également la communauté, pour rencontrer les braves. Donc tout ça fait que je serai un petit peu moins présent en vidéo dans les temps qui viennent, mais ça ne signifie pas que j'ai lâché prise. Au contraire, les succès récents de pas mal d'émissions et pas mal de lives que j'ai pu faire m'encouragent à continuer de plus belle. Merci à tous encore une fois pour votre soutien et à tous ceux qui peuvent être là demain, eh bien à demain. Ciao, ciao les amis!